jamais plus sous l'emprise. Oh yeah, avec le cœur c'est la crise. Jamais plus autant souffrir, amis pour les sottises. Je disais, et soudain, elle a fait son apparition. C'est différent, si spécial, mais d'où elle vient celle-là? Et je le sens, elle n'est pas comme toutes les autres. Elle a ce truc qui retient du ventre. Ça y est, je perds la raison. Dans un trou plein de sentiments, elle le sait forcément. Ça vaut son triomphe secrètement. Elle est dangereuse, était sérieuse. Ma tête je creuse, je veux savoir ce qui m'arrive. Puisque elle a fait son apparition, c'est différent, si spécial. Mais d'où elle vient celle-là? Oui, je le sens. Elle n'est pas comme toutes les autres. Elle a ce truc qui retient du ventre. Ça y est, je perds la raison. Cette voix, ce feeling qui m'emporte, ce toucher sensuel qui me transporte. Oh. Où je vais, souviens-toi de moi. Oh mon Dieu, ne m'abandonne pas, mes ennemis sont. Chers compatriotes, amis du Cameroun, Camerounaises, Camerounais, bonsoir.
au nom de Diaspocam et de toute l'équipe d'organisation de ce quatrième prix, de cette quatrième soirée solennelle, de cette quatrième tribu, mesdames et messieurs, qui met en lumière les talents dans la stricte impartialité, les talents des Camerounais de la diaspora. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce cadre exceptionnel, dans ce cadre spécial, dans ce cadre taillé à votre dimension, pour que ce résultat soit porté en public. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'en vais prendre la responsabilité de présenter le jury composé ce soir de M. Russell N, qui a fait le déplacement de la Belgique. Et pour la petite histoire, il s'agit d'un créateur de mode. Il vit en Belgique depuis plus de 10 ans. Eh bien, il est notre compatriote. Il est natif et originaire de la République du Cameroun. Il a notamment travaillé pour la famille royale de Belgique et présente des défilés de mode dans le monde entier. Entre autres, au Festival de Cannes et lauréat d'un grand concours de créateurs à Monaco, mesdames et messieurs, son extraordinaire parcours, son parcours non exhaustif, eh bien, on n'aura pas assez de temps ce soir pour le présenter. Je vais vous demander d'applaudir très fort pour M. Russell N. Merci. Et le jury, mesdames et messieurs, aussi varié que cela puisse traduire l'impartialité. Ce soir, je vais citer M. André Ekama. Il est écrivain et il est originaire. Il est camerounais. Je vais vous demander d'applaudir très fort. Il nous vient de l'Allemagne. M. André Ekama, s'il vous plaît. Le jury, également ce soir, complété par M. Armand Lenn, un homme de culture, un ténor, mais malheureusement, qui n'est pas là présentement ce soir, mais qui est avec nous de cœur et d'esprit. Il nous a donné son consentement. Je vais vous demander l'applaudir très fort. Il est représenté certainement ce soir par quelqu'un qu'on ne sait pas, Aspa Sol, Aïcha. Merci d'être venu. Et je vais demander également, mesdames et messieurs, d'applaudir pour un autre membre du jury, M. Aimé Épessé, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Je vais vous demander d'applaudir très, très, très fort. La légitimité de cette organisation, la légitimité de ce prix ce soir n'est pas à contester, parce que représenté au plus haut sommet par la diplomatie camerounaise et à tout seigneur, tout honneur, pour ouvrir le bal, je vais inviter à ce micro monsieur le chargé culturel, l'attaché culturel de l'ambassade du Cameroun, mesdames et messieurs. Il va dire son mot de circonstance et on va ouvrir le bal. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je prends la parole en lieu et place de monsieur le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade du Cameroun en France. Comme il vous l'a dit, notre ambassadeur a été promu il y a quelques temps, ministre des Relations extérieures. Monsieur le président du comité d'organisation des prix Diaspocam, mesdames et messieurs les membres du jury des prix Diaspocam, mesdames et messieurs, chers amis du Cameroun, chers compatriotes, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de procéder ce jour à l'inauguration de cette cérémonie de remise des prix Diaspocam, la soirée de gala, donc qui est, comme on l'a dit tantôt, à sa quatrième édition. Je voudrais tout d'abord féliciter M. Franck Ebele, le président du comité d'organisation des prix Diaspocam, pour cette heureuse initiative qui, depuis quelques années, rassemble les créateurs, hommes et femmes de culture, écrivains et artistes de la diaspora, au cours d'une cérémonie de célébration et d'éloge de la puissance de l'esprit, dont le déploiement efficace et efficient
est indubitablement la condition sine qua non de tout processus de développement humain. Dans le même élan, je félicite tous les membres des différents jurys dont le travail de formulation des différentes rubriques de sélection des nominés et de leur classement est essentiel à la tenue de l'actuelle cérémonie et à sa crédibilisation au niveau de la communauté diasporique, camerounaise bien sûr, et même du monde des arts et de la culture tout court. Mes félicitations, mesdames, messieurs, et mes encouragements vont aussi à tous les autres acteurs et participants, chacun dans ses rôles et compétences, dont le mouvement d'ensemble a accouché de cet événement d'envergure. Monsieur le Président du Comité d'organisation des prix Diaspora, mesdames, messieurs, si nous avons l'air serein, ce qui est tout à fait normal, il faut reconnaître que l'édition 2015 des prix Diaspora se célèbre dans un contexte particulier où le monde des arts, du spectacle et de la liberté d'expression, bref, le monde de la création, des œuvres de l'esprit, est des plus menacés. Comment oublier les sanglants événements du 13 novembre 2015, où le fanatisme et l'obscurantisme des plus abjects ont marqué au sang nos milieux d'expression culturelle et de vie tout simplement. Comment oublier les épisodes du 7 janvier où toute une rédaction a été décimée par les mêmes ordres de la terreur et de la mort. Comment oublier, mesdames, messieurs, cet engrenage funeste, morbide et macabre qui n'épargne pas l'Afrique en miniature qui est notre beau pays, le Cameroun. Le Boko Haram comme Daesh, comme le soulignait Robert Badinter à l'UNESCO, est la négation des droits de l'homme, donc de la civilisation moderne. Ayons toujours une pensée pour nos frères et sœurs du Septentrion qui se battent contre la barbarie. Encourageons aussi nos vaillants soldats qui sont au front. Ils suivent ainsi, n'est-ce pas, les directives, les hautes directives de son Excellence M. Paul Biya, le Président de la République, avec le concours de la communauté internationale qui lutte avec acharnement pour éradiquer, n'est-ce pas, ce fléau. Devant la communauté camerounaise de France en 2009, à notre sens, il est important pour tout le monde de s'interroger sur l'actualité, sur l'activité artistique, l'activité de création et d'écriture et ses relations avec les droits de l'homme et la démocratie. L'embrigadement et l'anéantissement de l'art envisagé par certains groupes est-elle possible? Chaque communauté humaine doit s'organiser de telle sorte que les créateurs puissent s'épanouir et donner le meilleur d'eux-mêmes. En ce qui concerne le gouvernement camerounais, notre pays est reconnu comme une terre, comme un havre de paix, comme une terre d'expression dynamique des intellectuels, des artistes et des hommes de culture en général. Et la diaspora camerounaise de France reflète merveilleusement cette tendance nationale positive et porteuse de progrès. Devant la communauté camerounaise de France en 2009, le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, disait ces mots chargés de sens pour caractériser l'esprit des Camerounais et des Camerounaises. Je cite le chef de l'État. La communauté camerounaise de France est entrepreneuriale et industrieuse. Fin de citation. Les prix Diaspocam sont donc la traduction de cet esprit dynamique et créatif, inventif et subtil, positif et de progrès, fertile autant que généreux, qui caractérise les filles et les fils originaires du Cameroun. Mesdames, messieurs, nous vivons dans un monde dangereux, de plus en plus déchiré par des antagonismes idéologiques et culturels, économiques et religieux. Les divisions et les haines se multiplient
les valeurs qui font de l'humanisme semblent déserter nos préoccupations. Mais les puits d'Aspokam peuvent être considérés comme un rempart face aux extrémismes, à la marchandisation rampante et croissante de tout l'espace, qui induisent un relâchement des comportements et un relativisme qui ne peuvent que constituer des poisons à l'épanouissement de notre humanité. Mesdames, Messieurs, chaque fois que les femmes et les hommes de culture se retrouvent, qu'ils aient toujours en esprit leur rôle vital dans l'avènement d'un monde meilleur, qualitativement et quantitativement. L'homme d'État français Renaud Donnedieu de Vabre pensait justement que, je cite, « La culture est un antidote à la violence, car elle nous invite à la compréhension d'autrui et féconde la tolérance, en nous incitant à partir à la rencontre d'autres imaginaires et d'autres cultures. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, chers amis du Cameroun, l'ambassade du Cameroun en France a fait de la diplomatie de proximité le fer de lance de son approche administrative. Notre principal rôle est de faire en sorte que les Camerounais et les Camerounaises de France se sentent à l'aise dans leur pays d'accueil, tout en demeurant culturellement, psychologiquement et même spirituellement proches de leur terroir d'origine. Il nous revient d'être fiers de nos origines et de projeter une image respectable de notre pays partout où nous nous retrouvons. C'est une interpellation collective et individuelle. Vive les pays d'Aspokam, vive la communauté camerounaise de France, vive le Cameroun, je vous remercie. Et mesdames et messieurs, j'aurais retenu en substance du discours du représentant de l'ambassade finalement que le Cameroun est beaucoup plus qualitatif que quantitatif dans son ensemble. Je tenais à préciser à la représentation diplomatique du Cameroun ce soir, si le Cameroun peut se dire fier, si le Cameroun peut se vanter, c'est aussi grâce à ces associations-là qui se créent et qui parlent et qui œuvrent au nom du Cameroun. Eh bien, je vais saluer Madame Angèle Mallet qui représente toute son association, ce soit les mines d'attitude. Monsieur Alain Le Mignon, merci pour tout ce que vous faites pour le Cameroun, Cécile Desmal l'international. Merci, merci mesdames et messieurs. Eh bien, nous allons plonger dans le vif du sujet. Voici les premiers prix. Merci. Les votes se sont déroulés à 30% par les internautes et à 70%, la décision viendra du jury représenté ce soir. C'est bien ça, monsieur Franck Ebelay. Merci. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, parce que le temps nous prend par la gorge, nous allons procéder à la remise du premier prix ce soir. Il s'agit du prix décerné au meilleur comédien camerounais de la diaspora. Et nous allons attendre pour découvrir avec vous l'enveloppe qui va nous dévoiler, le réélu qui va nous dévoiler ce génie. L'enveloppe porte-bonheur finalement, eh bien, l'enveloppe impartiale, l'enveloppe qui n'a pas triché, mesdames et messieurs, seul le mérite l'a emporté. Eh bien, et quel que soit le contenu de l'enveloppe, cela ne signifie pas que les cinq qui ont été retenus et finalement les trois qui sont représentés ce soir, nul n'est déméritant. On y va avec l'esprit olympique, à savoir que l'essentiel, finalement, c'est de participer. Merci, M. Franck Ebelay. On va procéder à la remise du prix meilleur comédien. Et le prix du meilleur comédien ce soir
sera remis par Madame Rose Denise. Rose Denise, s'il vous plaît. Madame Rose Denise. Avec moi ici. Merci, Rose Denise. Et il vous revient la double responsabilité de communiquer au public le meilleur comédien des prix DiasporCamp 2015. Le meilleur comédien DiasporCamp 2015 s'appelle Charlie Nyobe. Charlie Nyobe, je vais vous demander d'applaudir très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Charlie Nyobe, il est le meilleur comédien DiasporCamp 2015. Donc, voilà. Et monsieur Franck Ebellet, Rose Denise va devoir remettre l'enveloppe ou le trophée de Charlie Nyobe qui est chargé de le récupérer ce soir. On va y aller à pas de course. Merci. Mesdames et messieurs, pour la catégorie meilleur comédien de la diaspora, Madame Rose Denise a la responsabilité de donner ce trophée qui sera transmis à Monsieur Charlie Nyobe à Raïssa Zemonyako. Merci. Merci beaucoup. Je remets ce trophée à Raïssa. Donc, Monsieur Charlie Nyobe n'a pas pu être là ce soir. Donc, je remets ce trophée à Raïssa pour Charlie Nyobe. Merci. Merci, Rose Denise, pour ta complicité. Merci pour ta disponibilité. Et à tout à l'heure. Pour la fête. Merci. Mesdames et messieurs, je vais inviter sur ce podium Madame Anastasie Okala des Mines d'Or, s'il vous plaît. Madame Anastasie Okala, sur ce podium. Ah, elle est rapide. Elle file à la vitesse de la lumière. Elle va remettre le prix DiasporCamp 2015 de meilleur danseur. Le prix de meilleur danseur. Oui, vous prenez votre mal en patience, madame. Eh bien, mesdames et messieurs, nous ne sommes au courant de rien. Elle va ouvrir l'enveloppe, vous allez l'ouvrir. Et avec le public, on va découvrir le meilleur danseur 2015 de prix DiasporCamp est Michel. Michel, sous vos ovations, s'il vous plaît. Michel remporte ce soir le prix DiasporCamp 2015, catégorie meilleur danseur. C'est un coup double ce soir. En exclusivité, en avant-première, il a dansé pour vous, mesdames et messieurs. Ceci justifie son prix et c'est la preuve que DiasporCamp ne triche jamais. Merci, Madame Anastasie Okala. On va passer à la deuxième remise. Nous allons inviter Monsieur Alain Le Mignon. Monsieur Alain Le Mignon, sur ce podium, s'il vous plaît. Vous allez découvrir et remettre à main propre le prix du meilleur impresario DiasporCamp 2015. Monsieur Alain Le Mignon. Les nominés des prix DiasporCamp 2015 catégorie meilleur impresario, les nominés étaient Monsieur Jojo de Paris, Monsieur Armand Jameau, Monsieur Hervé Wantiep, c'est Erwan Force, et c'est ma modeste personne. Eh bien, mesdames et messieurs, le prix de meilleur impresario du prix DiasporCamp 2015 décerné ce soir par Monsieur Alain Le Mignon, il s'appelle Il s'appelle Alain Le Mignon.
Monsieur Hervé Ouattie. Oh non, c'est pas vrai ça. Mesdames et messieurs, on dirait que c'est de la comédie, n'est-ce pas? On dirait que c'est de la comédie. Pourtant, rien n'a été préparé et franchement, je peux vous dire toute mon émotion et c'est avec ma force d'homme que je vais retenir mes larmes ce soir. Et franchement, je vais dire, je retiens que l'essentiel finalement, c'est de garder l'esprit olympique et de participer. Et quoi que vous fassiez dans la vie, mesdames et messieurs, faites-le avec le maximum de passion qui soit. Et c'est tous les jours, si je ne sais que parler, ce n'est que pour votre bonheur, c'est pour faire le bonheur du public qui m'admire et qui aime en toute modestie ce que je fais. Est-ce qu'on peut applaudir pour moi, s'il vous plaît? Merci. Merci monsieur Alain Le Mignon, le manager de la nuit DS Diva le 13 février 2015. On va poursuivre comme ça en invitant sur ce podium DS Mana, s'il vous plaît, DS Mana. La DS Mana qui aura la responsabilité de la remise du prix du meilleur communicateur. Cristal, s'il vous plaît. Desmond, est-ce qu'elle est là ce soir? Tu viens avec moi, DS? N'aie pas peur. Ah non. Avantage de service. C'est un honneur de se retrouver aux côtés d'une belle dame comme ça. Mesdames et messieurs, on va découvrir tous ensemble le meilleur communicateur 2015 des prix Diaspocam est... Merci, DS Mana. Le gagnant est First Class. First Class Communication. First Class. First Class. Où est First Class? First Class. First Class. First Class. Non, vous discutez. First Class, je prie le trophée décerné à First Class ce soir. Récupéré par Aïcha Son, partenaire. First Class. Merci. Je vais inviter dans la même lignée sur ce podium Monsieur Martin Nonga, s'il vous plaît. Monsieur Martin Nonga, sous vos ovations. Élégantissime. C'est l'élégance que vous voulez voir. Bonsoir, bienvenue Monsieur Martin Nonga. Il aura la lourde responsabilité et l'honneur de remettre le prix Diaspocam 2015. Le prix de meilleur restaurant. Cristal. Pour l'édition 2015 des prix Diaspocam, mesdames et messieurs, voici le lauréat du prix meilleur restaurant. Monsieur Nonga, il s'agit de... Foufou Club. Il s'agit du Foufou Club. Le Foufou Club, mesdames et messieurs, remporte le prix Diaspocam 2015 meilleur restaurant. Eh bien, est-ce que le Foufou Club est représenté ce soir? Ah, Christelle récupère le prix du meilleur restaurant décerné au Foufou Club ce soir. Monsieur Nonga, vous allez récupérer un dieu alors. C'est une débat, ça se passe par la cuisine. L'international du prix du Foufou Club. Eh bien, mesdames et messieurs, le prix Diaspocam 2015, le meilleur restaurant, revient au Foufou Club.
récupérer ce soir, représenté ce soir par Cécile Ndema, l'international. On va l'applaudir très fort. La lionne indomptable de la culture camerounaise, mesdames et messieurs. Elle danse en vert, rouge et jaune. Elle a parcouru les trois coins du triangle national en rythme musical. On va l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Merci, Priscille. Merci. Nous allons poursuivre avec la remise des prix et attaquer une nouvelle catégorie. Le prix meilleur multimédia.
meilleur multimédia. Tu viens, Christelle. Je vais inviter au cœur des sept, je vais inviter sur ce podium, monsieur, ah, autant pour moi, maître Jeannot Gambo, s'il vous plaît. Maître Jeannot Gambo sur ce podium, s'il vous plaît. Il va dévoiler au public, mesdames et messieurs, il va découvrir avec nous le lauréat 2015 du meilleur multimédia. Jeannot Gambo, s'il vous plaît. Maître Jeannot Gambo. Sous fond de musique, merci. Il s'appelle Maître Jeannot Gambo. Eh bien, mesdames et messieurs, il convient de préciser que pour ce prix, c'était trop serré. La concurrence a été rude. Et le premier prix multimédia est remis par Maître Jeannot Gambo. Et ensemble, on va le découvrir. Il y aura un ex-écho, bien entendu. Et Maître, il va attendre. Il s'agit de monsieur. C'est avec honneur que je remets ce prix à celui que j'ai toujours considéré comme le meilleur de sa génération, Eric Kouachou. Monsieur Eric Kouachou, Eric Golf. Autant surpris que moi, Eric Golf. Eric Golf Kouachou. Eric Golf Kouachou. Meilleur multi. Média. Ex-écho. Bravo, monsieur Eric Kouachou. L'œil matinal de la caméra. L'œil androïde de la caméra. On va l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Monsieur Eric Kouachou. Eric. Ah ouais, un mot. Je voudrais très sincèrement remercier tous ceux qui ont voté pour moi. Et remercier le jury pour m'avoir choisi. Et je remercie aussi tous ceux qui étaient dans ma catégorie, qui n'ont pas de mérité. Et je profite ainsi de cette tribune qui m'est offerte par ce prix pour saluer l'initiative des organisateurs de cet événement. Maître Gambo va rester avec nous pour la remise du deuxième prix. Le prix Execo, oui, qui revient au meilleur multimédia, s'il vous plaît, Cristal. Le match a été serré, il s'est joué très dur. Oui, maître, on continue. Le lauréat Execo meilleur multimédia JazzFolk en 2015 est. Ben écoutez, je crois qu'il n'est pas dans la salle. Il a choisi la concurrence. Ça sort comme ça sort, je dis ce que je pense. Je ne sais pas pourquoi on l'a fait, vous avez décidé. Le prix Execo est attribué à monsieur Hilaire Sorpi. Merci, le prix Execo Multimédia, meilleur multimédia décerné à monsieur Hilaire Sopi, récupéré ce soir par sa représentante LVS Cosmétique, madame Yvette Romatip, LVS. Merci et bravo. Que se passe-t-il? L'émotion se traduit automatiquement en champagne. Merci pour monsieur Hilaire Sopi. On va l'applaudir très fort. On va applaudir très fort, LVS Cosmétique. Merci à toi, maître Jeannot Gambo, pour ta collaboration. Merci pour ta complicité.
sujet de garde et que vive l'événementiel camerounais. Nous allons glisser quoi, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On va procéder sans plus attendre. Nous allons remettre à présent le prix de la meilleure discothèque parisienne, je veux dire la meilleure discothèque de la diaspora. Et je vais inviter sur ce podium Monsieur Ndoundou. Monsieur Ndoundou, s'il vous plaît, pour la remise du prix de la meilleure discothèque. Est-ce que Monsieur Ndoundou est là? Madame Ndoundou, s'il vous plaît. Ah, Madame Ndoundou, excusez-moi, autant pour moi. Madame Ndoundou. Merci. Vous tenez, Madame Ndoundou. On va découvrir ensemble et avec le public, avec les compatriotes, le lauréat du prix de la meilleure discothèque. Il s'agit du Kirikou Nightclub. Le Kirikou Nightclub. On va applaudir très fort pour le Kirikou Nightclub, s'il vous plaît. Est-ce que le Kirikou Nightclub est représenté ce soir? Eh bien, tout comme le premier prix, mesdames et messieurs, avec la complicité de Madame Ndoundou, on va remettre le trophée de la meilleure discothèque de la diaspora. Merci. Et c'est Raïssa qui constitue la banque des trophées ce soir. Merci, on va applaudir très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci, Tarzan. Et pour le troisième prix de cette première série, mesdames et messieurs, je vais inviter au cœur de ce podium, sur ce podium, une révélation des prix Diaspocam. Je vais inviter l'artiste Christian Yombo pour la remise du prix du meilleur photographe Diaspocam 2015. Monsieur Christian Yombo, s'il vous plaît. Christian Yombo à mes côtés ce soir. Merci Cristal. Je vais découvrir avec mon invité, mesdames et messieurs. Vous allez ouvrir l'enveloppe de Monsieur Christian Yombo. Et le meilleur photographe du prix Diaspocam 2015 est Nougui Artistique. Nougui Artistique, on va l'applaudir très fort, mesdames et messieurs. La photographie au féminin, et qui n'est pas là ce soir, qui va recevoir son trophée des mains de Monsieur Christian Yombo, par la représentatrice, par la banque des trophées ce soir, Raïssa Zemoniaco. Christian, on va le sortir, s'il te plaît. Christian, on va le sortir. Merci. Merci, Christian, pour ta participation. Merci pour ta collaboration. Merci. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons vous faire vivre, on va vivre ensemble en tout cas, la première séquence artistico-culturelle de la soirée. C'est tout fun! Oh, yeah.
avant la remise solennelle du trophée récompensant la meilleure diaspora girl, la diaspora camerounaise choisie par Diaspora Cam 2015, eh bien, nous allons les appeler une par une pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à vos yeux. Vous allez savourer, vous allez déguster. Voici Didier, est-ce que c'est prêt? Le jingle, il est prêt? Merci. Je vais vous demander d'applaudir très fort Lucette Jazette Danty, s'il vous plaît, sous vos ovations. Elle nous vient de l'Italie, mesdames et messieurs. Madeleine Bonneau, venue tout droit de l'Italie, la beauté camerounaise en fête ce soir, mesdames et messieurs. Le diaspora Bonneau, venue tout droit de l'Italie, la beauté camerounaise en fête ce soir, mesdames et messieurs. Le diaspora girl. Madeleine Bonneau, venue tout droit de l'Italie, la beauté camerounaise en fête ce soir, mesdames et messieurs. Le diaspora Bonneau, venue tout droit de l'Italie, la beauté camerounaise en fête ce soir. Tout ce qui vous reste, tout ce qui manque à votre bonheur ce soir, c'est la saveur. Le suspense est au top. Je vais inviter Yvette Ngomatipe, la directrice générale des établissements LVS Cosmétiques, salon de coiffure, pour la remise de la couronne Diaspora Girl 2015. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons procéder crescendo par les dauphines et on finira par la reine, la Diaspora Girl 2015. La première dauphine s'appelle Dizette Danty Lucette. Lucette est la première dauphine du prix Diaspora Girl 2015. Finalement, sont gagnantes ce soir. Elle est la première dauphine ce soir, mesdames et messieurs. Yvette, on va continuer. Et la deuxième dauphine s'appelle Madeleine Bonnet. Madeleine Bonnet, mesdames et messieurs. Madeleine Bonnet du littoral, elle nous l'a dit tout à l'heure. C'est la deuxième dauphine Diaspora Girl 2015. Et sans suspense, de toute évidence, la Diaspora Girl 2015 s'appelle Rae Vesa Unaida. Unaida est la Diaspora Girl 2015. Bravo! Félicité par LVS. Eh bien, mesdames et messieurs, ce soir, pour la Miss, un cadeau surprise et supplémentaire, elle reçoit dans ce sac de la part de la société Bering Sport, style et confort, nouvelle ligne de vêtements sportwear. Et c'est pour la Miss, pour la Diaspora Girl 2015. Tenez, mesdames, mademoiselle, autant pour moi.
et finalement LVS pour le trophée. Mes félicitations. LVS Cosmétiques vous offre tous les mois une coiffure, une pose de tissage, un soin de visage, un maquillage. Tous les mois. Merci. On va les applaudir très fort, s'il vous plaît. Les chasseurs d'images, vous avez fait votre travail. Et par la voix d'Emile Doux, mesdames et messieurs, on va découvrir ensemble le lauréat du prix du meilleur prestataire Diaspo Camp 2015. Monsieur Emile Doux, sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci. Monsieur Emile Doux. Mesdames et messieurs, les prix Diaspo Camp 2015 ont décerné le trophée du meilleur prestataire à... Bonsoir le parrain. Raïssa Zemoniaco. Raïssa Zemoniaco. Raïssa Zemoniaco, agence captive, agence captive. Agence captive, Raïssa Zemoniaco. Félicité par monsieur Emile Doux. Bravo, bravo Raïssa. Merci, merci Emile. Merci pour ta complicité. Une photo, s'il vous plaît, Gabi. Merci. Merci beaucoup, merci. Et mesdames et messieurs, je vais inviter à mes côtés, ici et maintenant, le PDG de la Cosenco Production, Christian Dedi Djemba, à mes côtés s'il vous plaît, à mes côtés. Il aura l'honneur ce soir de remettre le trophée Diaspo Camp 2015 de meilleur manager artistique. Mesdames et messieurs, les internautes ont parlé. Le jury également et le lauréat des prix Diaspo Camp 2015 catégorie meilleur manager artistique est... Après dépouillement... C'est une diva, c'est une déesse. J'ai l'honneur d'inviter ici Aïcha Sol. Sol Aïcha, mesdames et messieurs. Vu à la télé, vu sur M6. Ah oui. Vu sur M6, meilleur manager artistique. La reine du shopping, elle a été sur M6, mesdames et messieurs, elle a fait la fierté de toute une nation, de tout un pays. Elle s'appelle Sol Aïcha. Elle
Aïcha, j'ai l'honneur de te remettre ce prix pour tout le travail, pour tout ton dévouement et accompli. Et je t'exhorte de continuer dans ce sens et pour la culture camerounaise. Merci. Merci Aïcha Sol. Un mot, ben vas-y. Thank you everybody. Bon, bref, merci à tous. À tous ceux qui ont cru à moi pour ça, mais manager de l'année dernière, je pense. Pas artistique, parce que je ne manage pas les artistes. C'est manager événementiel, je suppose que c'est par rapport à la soirée Rose et Blanc. Donc je vous dis merci, je vous aime. Et n'oubliez pas que pour que notre culture avance, il faut qu'on soit main dans la main. Comme j'ai l'habitude de dire, quand un Camerounais gagne, c'est tout le Cameroun qui gagne. Bravo! On va applaudir très fort pour Aïcha Sol, mesdames et messieurs. Meilleur manager événementiel, autant pour moi. C'était même meilleur manager événementiel. Eh bien, quand un Camerounais gagne, c'est tout le Cameroun qui gagne. Eh bien, mesdames et messieurs, le deuxième trophée de l'événementiel du meilleur manager événementiel Diaspocam 2015, ex-aequo, je voulais dire, bien sûr, il revient ce soir par la voix de monsieur Christian de Dindiemba à monsieur Gaston Peck. Gaston Peck, General Manager. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Il est où Gaston Peck? Gaston Peck est représenté ce soir. Représenté ce soir. Il n'est pas là son représentant. Monsieur Gaston Peck, comme co-lauréat du prix Diaspocam 2015, catégorie meilleur manager événementiel. Mes félicitations. Merci Christian. Merci à toi Christian. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, nous allons passer au prochain prix. Le prix Diaspocam qui récompense le meilleur manager artistique. Merci, Déesse l'Éternelle. On va ouvrir l'enveloppe ensemble. Let's go. Pour le prix Diaspocam 2015, catégorie meilleur manager artistique, le vainqueur est, the winner is Mr. Guy Metton. Mr. Guy Metton. Mr. Guy Metton. The winner is Mr. Guy Metton. Metton Guy, le manager de tous les temps. On ne discute pas la discussion. Monsieur Guy Metton, sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et son trophée lui sera remis dans la foulée par Madame Dieu Cyclone. Dites-le à haute voix. Congratulations, Mr. Guy Metton. Congratulations, Mr. Guy Metton. Monsieur Guy Metton, ça c'est en anglais. Ça se dit en français, Monsieur Guy Metton. Monsieur Guy Metton. Bravo, Guy. Félicitations. Merci. Bonsoir à tout le monde. Vos acclamations me prouvent que le travail que fait est apprécié à juste valeur. Et merci à Franck Ebelin, Diaspocam. Je vais profiter de cette occasion pour remercier quelques personnes qui m'ont donné l'occasion de gérer leur soirée pendant cette année-ci. Je suppose que c'est pour ça que j'ai ce prix. L'agneau en blanc, Christian de Dindiemba, même s'il m'a un peu déçu ces temps-ci. Monsieur Choupo Laza Chonelas,
qui m'a donné l'occasion de manager l'une des plus belles soirées que j'ai connues de ma carrière. Annick Sanama, la reine du méga barbecue, Torpedo Production pour le Conseil des Légendes et la Nuit du Benskin. J'ai mes amis là, Chassol, Maître Ngamo et mon manager LM. Yes, Mana, je souhaite beaucoup de courage, même si je crois que je suis contre toi. Voilà. Bon, dites-moi s'il vous plaît, comment peut être un homme à ma place quand il reçoit le prix de Madame Cyclone, l'un des meilleurs amis que j'ai eu de ma vie. Un homme bien propre, n'en déplaise aux réseaux sociaux qui l'allument. C'est mon frère, c'est mon ami, je le soutiens. Merci à vous tous. Merci, passez une belle soirée. Merci, monsieur Guy Métain, le diplomate. À toute occasion, il a toujours un mot à dire. Vous, les politiciens, là, vous nous avez déjà dépassés. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On va s'attaquer à la substance grise. Je vais appeler à mes côtés monsieur Ray Rogers. Et nous allons primer ce soir le meilleur romancier, mesdames et messieurs. Le meilleur romancier. Primé par Diaspocam 2015, il s'appelle... Marie Lisoc. Marie Lisoc. Marie Lisoc. Elle s'appelle Marie Lisoc. C'est un immense plaisir, c'est un immense plaisir de vous voir en vrai et de pouvoir vous serrer la main. Parce que par la magie des réseaux sociaux, nous sommes au courant de tout ce que vous faites, de tout ce combat que vous menez, de toute la lumière que vous apportez à votre modeste niveau. Merci Madame Marie Lisoc, couronnée ce soir par Diaspocam. Un mot certainement. Bonsoir tout le monde, je suis Marie Lisoc, j'ai 63 ans. En fait, pour moi, être ici ce soir, c'est déjà un grand, grand cadeau. Je prie que d'autres petites Marie Lisoc et les petits Marie Lisoc puissent être là. J'en suis à mon 8e livre, sans certificat d'études. Je suis ces cheveux dans la soupe. Je suis cette mouche dans du lait. Je veux montrer à la jeunesse que quand on veut, on peut. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, mon premier livre, Mon cœur est ailleurs, qui est un livre autobiographique, qui retrace mon enfance au Cameroun jusqu'à mon pays d'adoption, la France, qui a fait de moi la femme que je suis, est une réhabilitation de la femme, de l'enfant et de la vie. Et j'ai créé l'association Cœur de Marie Lisoc, qui a une antenne à Yaoundé, à l'école internationale Olia Lima, pour pouvoir accompagner d'autres jeunes. Parce que l'art n'a pas de frontières, que ce soit ici au Cameroun. Je fais déjà beaucoup de choses ici, dans des écoles, j'interviens dans des collèges, je donne des cours de poésie. Je pense qu'on a des très très belles plumes en Afrique qui méritent d'être connues dans le monde. Parce que de la pensée naît toute une réalisation. On pense, on réalise. On a voulu faire cette maison, on a pensé la bâtir. Donc, avant d'avoir la maison, on pense, la pensée est vraiment toute chose. Parce que la pensée est expoliée. Je dis toujours sur ma page, pour ceux qui me connaissent, je dis toujours qu'il n'y a pas de pire esclavage que l'esclavage intellectuel. Lorsque la pensée est expoliée, lorsque la pensée est unique, lorsque la pensée est brimée, on ne peut plus s'exprimer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vais dans tous les sens, mais je vous remercie tous. Merci. On va l'applaudir très fort, mesdames et messieurs. Merci, mon grand. Et du haut de ses 63 ans, mesdames et messieurs, finalement, Marie Lisoc dit ce soir,
quel est ce grain de cheveux dans la soupe? Cette mouche dans le lait, comme si elle venait vous embrouiller, vous troubler le plaisir de savourer votre soupe ou de votre lait. Pourtant, mesdames et messieurs, la poésie, la leçon, c'est que Madame Lissouk, ce soir, elle incarne l'espoir pour la génération, pour la jeunesse camerounaise. Elle est l'exception qui confirme finalement la règle ce soir. Merci à toi, Marie Lissouk. Nous allons inviter au cœur de cette piste un jeune Camerounais qui, par son talent, va vous éblouir, qui, par son talent, va vous redonner de l'espoir. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais vous demander de lui réserver un tonnerre d'applaudissements. Vous allez le découvrir en même temps que vous allez le savourer. Voici Monsieur Léo Zénith, s'il vous plaît, sous vos ovations. Léo Zénith, sous vos ovations, mesdames et messieurs. Merci.
Bon Dieu. Applaudissements s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Léo, le lauréat 2015 Diaspocam, catégorie meilleur DJ. Je vais appeler à mes côtés Madame Joëlle Brown. S'il vous plaît, Joëlle Brown. Joëlle Brown. Please, Madame Joëlle Brown à mes côtés. Bonsoir Madame Joëlle Brown. Merci de collaborer avec nous. On va découvrir tous ensemble et avec le public. Et c'est votre voix qui va traduire le contenu de cette enveloppe. Le lauréat 2015 Diaspocam catégorie meilleur DJ est. Alors, le lauréat 2015 DJ est le seul et unique Cyclone. Dieu Cyclone, mesdames et messieurs. The winner is Dieu Cyclone. Je tiens ma main. Le vote du public. Le public s'est exprimé. Félicitations, monsieur Cyclone. Même tu en mets trop bien. Le lauréat Diaspocam 2015. Catégorie meilleur DJ. Dieu Cyclone. Merci. Merci Dieu Cyclone. Merci. Meilleur artiste espoir. Je vais inviter sur ce podium avec moi Madame Ariane Koufan, s'il vous plaît. Madame Ariane Koufan, sous vos ovations. Merci. Ah. Bonsoir Ariane. Merci. On va découvrir par votre voix et pour le public le meilleur artiste espoir Diaspocam 2015. Il s'agit de Léo. 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 Aux âmes bien-nés, mesdames et messieurs, le bonheur n'attend pas le nombre des années. Tu reviendras autant de fois et tu le dois au mérite, tu le dois à ton talent. Bravo Léo. Bonsoir Léon. Bonsoir. Félicitations. Merci. Alors je crois qu'on s'est tout dit. Je veux juste dire merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Merci aux membres du jury de m'avoir plébiscité et du courage à cette grosse initiative parce que voilà, c'est selon moi l'événement qui prime. Enfin, l'événement majeur, quoi, c'est ce qui concerne la prime pour les artistes à l'étranger. Merci beaucoup, merci à Diaspocam. À plus. Bravo Léo, une fois encore, chapeau. Eden Cosmétiques, par sa voix, va dévoiler, mesdames et messieurs, le lauréat 2015, catégorie meilleur organisateur événementiel. Bonsoir Eden, merci de dévoiler avec nous le lauréat. Le gagnant 2015 catégorie meilleur organisateur événementiel est Robert Gamo. Jean-Robert Gamo. Jean-Robert Gamo. Robert Gamo. Meilleur organisateur événementiel édition 2015. Merci mesdames et messieurs, on va applaudir monsieur Jean-Robert Gamo.
meilleur organisateur événementiel, édition 2015, vu par Diaspocam. Pour la photo, même aux États-Unis, on dit quand même, il y a des chances que tu vas avoir le trophée. Si je savais que je pouvais avoir le trophée, j'aurais rempli cette salle. Je vous le dis sincèrement, j'aurais rempli cette salle. Je suis venu sincèrement en curieux. Parce que vous savez, j'ai la capacité. J'ai la volonté, j'ai les moyens. Merci beaucoup. Et je veux remercier mon manager, Alain Le Mignon. Tu as fait un bon boulot. Je remercie ma décoratrice, ELM Événementiel. Elle a fait un boulot magnifique. Monsieur Guy Métan, tu étais derrière. Tu ne balais pas beaucoup, hein, mais je sais que tu fais du boulot. Aïcha Sol, l'ambassadrice depuis des années. Nous sommes ensemble. Et comme j'ai toujours dit, hein, Monsieur Christian Dedi Djemba, il aurait dû avoir le trophée parce que c'est quelqu'un depuis 10 ans. Il fait la nuit en blanc. Pour lui, j'ai beaucoup de respect. Je voudrais de l'applaudissement pour lui, s'il vous plaît. Et surtout, n'oubliez pas le 13 février avec Baby Philippe. Sur ce, je vous dis bonsoir et merci pour le trophée. Mais sincèrement, j'ai un regret. J'aurais dû remplir cette salle. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Bye bye. Merci Jean-Robert Gamo. Nous allons passer, mesdames et messieurs, au prochain prix. Et je vais inviter avec tout le respect, et on va lui dérouler le tapis rouge parce que c'est l'homme le plus beau de la Terre. C'est un monsieur 6 étoiles. S'il n'avait pas existé, on aurait passé la commande à Dieu de le faire. Je vais vous demander d'applaudir, mais c'est très fort, de très 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 fort, cette sommité de la chanson camerounaise, monsieur Bel Katobi, qui sera à mes côtés pour la remise du prochain trophée. Merci Bel Katobi. Merci, s'il te plaît, merci de me rejoindre sur ce podium. La méga, la giga, la webstar, la star Android, Bel Katobi, sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci, on va applaudir très fort la giga star, mesdames et messieurs, qui va dévoiler par sa voix, la voix tant convoitée, le lauréat du prix Diaspocam 2015 catégorie meilleur artiste, dévoilé par Bel Katobi. Le lauréat 2015 du prix Diaspocam est la très belle et jolie Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda est la lauréate Diaspocam 2015 catégorie meilleur artiste. On va l'ovationner très fort, mesdames et messieurs. Toute une image, mesdames et messieurs, tout un symbole. Ceci traduit ce que l'artiste Charlotte Dipanda représente pour la République du Cameroun et pour la culture camerounaise. Merci. Le prix du meilleur essayiste décerné par Diaspocam 2015. Nous appelons sur ce podium Monsieur Sylvestre Onana, s'il vous plaît. Monsieur Sylvestre Onana. Merci de nous rejoindre, Monsieur Sylvestre Onana. Monsieur Sylvestre Onana, s'il vous plaît. Oui. Le prix du meilleur auteur essayiste remis par Monsieur Sylvestre Onana. Les internautes et le jury ont décidé et le prix Diaspocam 2015 catégorie meilleur auteur essayiste est décerné à Monsieur le professeur Antoine Ahanda. Professeur Antoine Ahanda, mesdames et messieurs,
sous vos ovations. Professeur Antoine Aranda, prix Diaspo Cannes 2015, catégorie meilleur auteur essayiste. Bravo, monsieur. Merci. Je voudrais juste dire un mot parce que, franchement, c'est vrai, je représente l'ambassade. Je ne m'y attendais pas au niveau de cette phase, de cet épisode de remise de prix, que je remettrai le prix à monsieur le professeur, le conseiller culturel, le professeur Wungu Antoine. Je voudrais dire que c'est pour moi une chance en même temps parce que c'est, beaucoup ne le comprennent pas. Il est mon chef hiérarchique. Ah oui, il est mon chef hiérarchique et surtout il a été mon ancien. Donc j'ai cette chance et cet honneur aujourd'hui de lui retourner un peu par hasard, grâce à Diaspocam, de lui retourner, n'est-ce pas, tout ce qu'il m'a donné. Donc de lui remettre un prix à cause de son travail d'universitaire, d'intellectuel. Parce qu'il faut savoir qu'il est l'auteur de nombreux écrits, de nombreux essais, qui sont des essais, des écrits de notoriété ici en France et au Cameroun, donc dans le monde. Donc c'est une occasion de lui adresser toutes nos félicitations, les félicitations de la communauté camerounaise. Bravo professeur. Ovation, mesdames et messieurs, et certainement un mot du professeur. Merci. En fait, la présentation est un peu trop brève. Et je pense que Diaspocam a pensé à m'attribuer ce prix parce que j'ai publié l'année dernière un ouvrage qui s'intitule « Comment s'informent et communiquent les Camerounais de l'étranger ?» Et cette année, au mois de juillet, j'ai publié un autre ouvrage qui s'intitule « Élections, vote et représentation politique des Africains de l'étranger ». En fait, je m'occupe de quelque chose qu'on appelle le transnationalisme, qui est la volonté de la diaspora d'être ici et là-bas, c'est-à-dire au pays d'origine. Et je pense que l'actualité sur les réseaux sociaux donne de la pertinence au travail que j'ai entrepris avec toutes les batailles cruelles et inutile qu'on voit sur le net aujourd'hui. Et je voudrais remercier Diaspocam parce que je pense qu'ils ont compris que leur combat est un peu le mien, celui que je mène sur le plan intellectuel. Et je pense que je vais poursuivre ma recherche en continuant ce qu'il y a, en étudiant plus particulièrement ce qu'on voit dans les réseaux sociaux tous ces derniers temps, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, à travers des Camerounais et des Camerounaises qui se déchirent. Donc je voudrais remercier l'initiative et encourager la diaspora à continuer à travailler, à être ce qu'on a décrit tout à l'heure, industrieuse et entrepreneuriale. Je vous remercie. Merci professeur. Tous nos encouragements. Comme ça, mesdames et messieurs, nous allons inviter madame Aïcha Sol pour la remise du prix Diaspocam 2015 du meilleur créateur de mode de la diaspora. Diaspocam 2015 remet le trophée catégorie meilleur créateur de mode à... J'ai vu. Meilleur créateur de la mode, Diaspocam 2015, c'est ça? Monsieur Roussel, c'est bien parce que c'est mon ami personnel. Ouh! Voilà, c'est un Camerounais qui fait beaucoup de choses dans la diaspora, à Bruxelles, qui représente bien la diaspora camerounaise. Et je suis fière de lui remettre ce prix.
Monsieur Russell N. Bravo, monsieur Russell N, mesdames et messieurs. Créateur de mode, fierté de la diaspora camerounaise. Merci. Et le prix Diaspora Cup 2015 est décerné au meilleur organisateur. Non, le prix Diaspora Cup 2015 est de la longévité événementielle. 2015, je vais inviter sur ce podium Nash People, s'il vous plaît. Nash People à mes côtés. Merci, Nash. Nash à mes côtés. Le prix de la longévité événementielle 2015. Le prix de la longévité événementielle. Le prix de la longévité événementielle. Nad, vous venez? Vous venez? Voilà, vous me donnez l'enveloppe, s'il vous plaît. Et Nash, vous allez découvrir avec moi le lauréat du prix de la longévité événementielle Diaspora Cup 2015 est... Le prix de la longévité Diaspora Cup est décerné à Monsieur Christian Djemba. Monsieur Christian Dedi Djemba, le PDG de la Cosenco Production, promoteur de la nuit en blanc. Il reçoit le prix 2013 de la longévité événementielle. Je ne crois pas qu'il y ait eu deux candidats à ce poste. Le candidat est le lauréat exclusif du prix Diaspora Cup 2015 de la longévité événementielle, Christian Dedi Djemba. Coscos. Bravo Christian. Un mot. Merci, merci. Hier encore, j'étais primé à Bruxelles, aujourd'hui à Paris. Que dirais-je? C'est avec beaucoup d'émotion. Je veux dédier ces prix de cette année, hier à Bruxelles, aujourd'hui à Paris, à tous les fans et tous les amis sympathisants de la Nuit en Blanc. Merci, merci à Diaspora Cup. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous parle. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous parle. Je suis ému. Tout à l'heure, mon confrère Jean-Robin Gameau a réclamé un prix pour moi, ne sachant pas. Il disait tantôt, il fallait qu'il soit prévenu, parce que moi non plus, je n'ai pas été prévenu, Jean-Robin. Je partage son avis et je ne sais pas, les mots me manquent. Je vais remercier tout le monde. Je vais dédier mon prix à tous les amis sympathisants de la Nuit en Blanc, à tous les amis, à tout le monde qui aime le showbiz, à tout le monde qui soutient la Nuit en Blanc de par le monde entier, parce que la Nuit en Blanc, c'est pas que Paris. Et je vais faire un défi aujourd'hui. Les prix Diaspora Cup seront universels. Ils seront universels. Il faudrait que Paris, que nous tous nous se levons comme un seul homme, nous soutenons ces prix Diaspora Cup parce qu'ils valorisent la culture camerounaise. S'il vous plaît, c'est pas parce que j'ai reçu un prix, mais bon, Diaspora Cup
les prix Diascocam restent une valeur sûre. Merci. Merci Christian et bravo. Toutes nos félicitations. Nous allons passer au prochain prix. Le prix d'encouragement Diaspocam 2015, mesdames et messieurs. Ce soir, nous allons inviter, je vais inviter à mes côtés la présidente, la fondatrice des Mines d'Or Attitude, Madame Angèle Malin, s'il vous plaît. Le prix d'encouragement Diaspocam 2015 est décerné à la fondatrice des Mines d'Or Attitude. Nous dévoile, c'est décerné à Jackie la naturelle. Elle est là, Jackie la naturelle. Le prix d'encouragement 2015. Elle est représentée ce soir. Donc Madame Angèle Mallet va remettre son trophée à. Ouais, Christelle Cognier d'Impec Service récupère le prix d'encouragement décerné à Jackie la Naturelle. Je vais inviter à mes côtés sur ce podium Monsieur François Ebelet, le promoteur des prix Diaspocam, s'il vous plaît, à mes côtés. Tu viens, Franck. Mesdames et messieurs, le prix d'honneur Diaspocam 2015 est décerné à Alors, le prix d'honneur 2015 est décerné à Monsieur Raymond Tchenga. C'est décerné à Monsieur Raymond Tchenga. Il est le lauréat 2015. Le prix Diaspocam, prix d'honneur, remis par le promoteur, Monsieur François Ebelet. Merci. Mesdames et messieurs, le dernier prix était bien celui décerné à Monsieur Raymond Tchengan, le prix d'honneur. Et on va passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est la phase récréative, mais la phase transitoire à la piste libre, mesdames et messieurs. Eh bien, c'est ce gâteau qui va être coupé en votre compagnie, mesdames et messieurs. Honneur à Madame Angèle Mallet, à Madame Anastasie Okala, mesdames et messieurs. Les Mines d'Or Attitude à l'honneur ce soir. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Angèle. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Anastasie. Joyeux anniversaire. Mes applaudis très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Hallelujah. Everybody sing it, hallelujah.
Alléluia. Happy single. Oh yeah. Say happy single. Oh yeah. Na mufisa meshiase. Me kwaya masamba. Check. I hope you like a crab the fair moon tina woman say my wife mini dama. We need the wono. Na mufisa me yes and seni. Check. Uhumia na woye ma show afe de weni bome so pena bose wine pony. Yane nyame ne sano. Afe de wu hune tutu. Mana muse me ye donki ne sabu su wu kebi. Same on YouTube. Afe de no muse me mako bole yonki. Chano. Chene ne muse monkey. If I check I de si se ye de hungry. Oye yiyan kabo da so sha boski. Mi wu ye de nane nyame tiase. Woni menye pe wo bia ni neviase. Mana me da bente so wa fila. Wono wo bia fa handkerchief from the pebe niase. Se wu pe mo ane. So my body don't lose that. Can't wait for my joy. Everybody sing it, hallelujah, hallelujah. Everybody sing it, hallelujah, hallelujah. Make you sing. Je tiens d'abord à féliciter Diaspora Camp pour tout ce qu'il fait pour la diaspora. Je viens de recevoir le prix du meilleur DJ de la diaspora et sincèrement c'est un prix qui vient à la fin de beaucoup de travail, beaucoup de sueur et tout. Et aujourd'hui ça a été une très belle soirée et j'encourage Diaspora Camp de continuer cela parce que c'est juste par là que les acteurs culturels vont essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le sentiment qui m'anime, c'est que la culture mène à tout. Je dis toujours à la jeunesse qu'il faut beaucoup travailler, il faut croire en ses rêves, il faut vraiment faire tout pour réaliser ses rêves et non rêver. Parce que si on rêve sans chercher à les réaliser, c'est en travaillant, travaillant, travaillant. Je peux vous confier que j'ai les corps aux fesses tellement je ne compte pas mes heures. Et c'est à ce résultat-là que je vais transmettre vraiment tout le travail à la jeunesse. Je suis émue, je suis gracieuse d'avoir été élue Miss Diaspora Camp 2015. Et ça a été une belle soirée, c'est tout. Je suis émue, bien que la soirée elle ait commencé tard, mais bon, tout s'est bien passé. Jusqu'ici, ça va. Alors évidemment je suis très content parce que j'étais déjà malheureux vainqueur. Non, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Déjà, j'ai perdu en 2013 et cette année, par la force du travail, je suis enfin meilleur artiste espoir de la diaspora. Donc voilà, c'est une énorme satisfaction. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont voté pour moi et le jury pour m'avoir plébiscité. Je tire un coup de chapeau, un énorme coup de chapeau à monsieur Bellet pour cette initiative. Et j'exhorte par cette même occasion les Camerounais à soutenir cette occasion parce que je trouve que elle n'a pas été assez soutenue cette soirée. Je pense que on méritait d'avoir un peu plus de gens que ça, quoi, parce que Diaspora Camp, c'est un truc exceptionnel, quoi. Donc voilà, que essayez d'être là la prochaine fois, essayez d'être plus nombreux, parce que l'initiative, elle mérite d'être soutenue. Merci à tous. Je suis très ravi d'être ici, à Paris, au Diaspora Camp. Je viens d'Allemagne, André et Kama, et j'espère bien que les prix Diaspora Camp vont être pérennisé et que nous allons tous ensemble consolider cette plateforme de détection des talents et de promotion de nos valeurs. C'est un honneur pour moi et un appel à toute la diaspora d'être participatif car c'est ensemble que nous pouvons bâtir un socle et ensemble que nous pouvons construire cette maison digne que nous appelons Cameroun. Mes impressions sont très bonnes. Elles ne peuvent qu'être bonnes parce que j'ai été primé, j'ai eu un Oscar. Je ne peux que m'en féliciter avec beaucoup d'émotion. Hier encore, c'était Bruxelles. Aujourd'hui, c'est Paris. Et peut-être demain, ce sera Londres, ainsi de suite et tout. Donc, je dis ceci. J'aimerais que Paris, le Paris tout entier, parce que Paris, c'est la capitale du showbiz européen, que nous tous, nous reconnaissons la valeur et l'initiative de Diaspora Camp et que nous tous, nous puissions soutenir ce projet parce que c'est un projet qui valorise le monde de la culture camerounaise
en Europe. Merci. Merci encore pour mon prix Diaspocam. Merci à toi, Franck Ebélé. Merci à tous les membres du jury. Merci à tous les fans de La Nuit en Blanc. À bientôt. Je ne sais pas quoi dire. J'aimerais bien remercier tous ceux qui ont voté pour moi, pour le prix de prestataire. Ça veut dire qu'ils ont cru en moi, ils aiment ce que je fais. Et merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Merci à Diaspocam. Merci à DJ Sam qui m'a fait connaître dans le milieu événementiel de la diaspora camerounaise. Merci à Deli Captive qui est toujours avec moi. Merci à mes hôtesses pour le travail qu'elles font toujours et les autres aussi. Merci à tous. Merci beaucoup. Nous sommes le 12 décembre 2015 aujourd'hui. Je viens, pas surprise, hein, j'ai eu le prix du meilleur manager événementiel de notre diaspora. Alors je remercie tous ceux qui ont voté pour moi, qui ont cru à la culture camerounaise. Comme j'ai l'habitude de dire, quand un Camerounais gagne, c'est toute la diaspora qui gagne. Moi, mon rêve, ce serait qu'on soit la main dans la main que de se diviser. Alors, je remercie les prix Jasper God qui ont cru en moi, le public qui a cru en moi. J'espère que l'année prochaine, nous serons soudés pour que cet événement aille le plus haut possible. Parce que ça, c'est pour nous encourager à travailler le plus haut possible. Je remercie tout le monde et je crois en vous, croyez en moi. Je vous embrasse, portez-vous bien. Thank you. Et d'avance, meilleurs vœux à vous, bonne année, joyeux Noël. Thank you. Ben écoutez, merci Diaspocam. Je suis maître Jean-Robin Gamoureau. Paris a reconnu le talent de NGR Productions. Merveilleuse soirée. Nous avons eu le prix meilleur organisateur de la diaspora. Ça veut dire qu'on reconnaît le travail que nous avons fait depuis plusieurs années. Merci beaucoup pour cette diaspora positive qui encourage les acteurs culturels. Parce que sans vous, on n'est rien. Nous sommes obligés de travailler avec ceux qui nous encouragent. Merci encore. Jean-Robin Gamoua pour LJR Productions. Nous serons encore là l'année prochaine. Diaspocam, la vie c'est un combat. C'est ton projet. Tu l'as et tu dois te battre et tu dois continuer. En tout cas, la soirée était au top. Et avec l'ambiance, bonne soirée, merci. Bah, tout d'abord, je remercie tous ceux qui ont pu être là. Je remercie les médias comme Eric Golf Productions. Voilà, donc, parlant de la soirée de ce soir, pour moi, ça n'a été qu'une victoire. Bon, il y a eu beaucoup de progrès. On a fait du mieux qu'on a pu. Bon, comme je le dis toujours, tout le monde ne veut pas gagner. On essaie de faire de notre mieux pour primer ceux qui le méritent. Bon, après, on peut faire des faux pas, mais on essaye un membre du jury qui est là pour éviter ce faux pas. Donc, ça fait que moi, pour moi, je pense qu'on a primé ceux qui le méritaient ce soir. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas été primés ne sont pas bons. Il y a beaucoup de bons dans notre communauté, mais il fallait un gagnant. La réalité, c'est que si on se met à primer tout le monde, on ne pourrait plus encourager certains à aller de l'avant. Donc on est obligé d'avoir des gagnants et des perdants. Bon, ceux qui ont gagné aujourd'hui, bravo à eux. Et pour ceux qui n'ont pas gagné, rendez-vous à l'année prochaine. Bon, les prix Diaspocam continuent à faire leur chemin tranquillement. Et donc je donne rendez-vous à l'année prochaine pour la prochaine édition. Que j'annonce déjà inédite. Comme l'annonce déjà l'affiche en 2016. Le 10 décembre. Voilà. Donc, on sera là. Bien là et mieux préparé comme d'habitude. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci à la délégation de l'ambassade qui était là. Merci au chargé culturel. Merci au chargé de communication. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc, à l'année prochaine.